Subscribe to our channel. Merci du fond du cœur. C'est parti, j'ai ma combinaison. Partez, on va partir au bloc. Hein. J'ai regardé mes vidéos d'il y a un an. Après l'opération, putain, j'avais une tête. Oh là là, j'étais éclaté. J'étais vraiment fatigué, genre. Putain, je ressemble à rien. On dirait que c'est moi le docteur. C'est moi qui vais opérer quelqu'un. Ça y est les amis, je suis réveillé. J'ai un peu la tête dans les vapes, mais je suis réveillé. Je me suis endormi. J'étais à l'opération, j'avais rien à la lèvre. Là, j'ai la lèvre toute gonflée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alhamdoulilah, c'est bien passé. Et surtout, alhamdoulilah, je suis réveillé. Hein? Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous donne un petit peu de mes nouvelles parce que ça fait longtemps et vous me demandez comment ça va depuis l'opération. Ça va depuis l'opération. Il y a des hauts et des bas, là ça fait que 3 jours. Mais je rétablis petit à petit. Cette nuit j'ai très 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 mal dormi, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à dormir, j'ai pas trop bien dormi, j'avais trop mal au bras. Et à la hanche aussi, dès que je rigole, dès que je parle, dès que... J'éternue, j'ai trop trop mal à la hanche, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je vais aller changer les pansements, que ça soit au niveau de l'épaule et de la hanche. Mais sinon, à part ça, ça va, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Hein. Mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Et on n'oublie pas de faire des invocations pour les personnes qui en ont besoin.